Et donc on lit, je lis les aphorismes et nous, on les commente, on les analyse, on les critique et voilà, ça nous fait une base de discussion. Donc, eh ben, je vais lire le prochain aphorisme, donc là où on s'était arrêté la dernière fois. Et donc je fais le suivant et on parle de ça. Ok, très bien. Alors, je le lis. On domestique plus facilement une population par la séduction que par la coercition. Donc, bah, ça, c'est un de mes sujets de prédilection. C'est toujours la différence entre la servitude involontaire, qui serait la coercition, et la servitude volontaire, qui est la séduction. On a vu ces deux modèles s'opposer, par exemple, pendant la guerre froide, où on avait le modèle soviétique coercitif, dictatorial, et soi-disant le monde libre, la société de consommation occidentale, du monde occidental, et là, c'est la séduction. Mais on en arrive toujours à la même forme, bah, j'allais dire, de contrôle des masses, de domestication, d'auto-domestication. Et si je pouvais faire un petit bémol à cet aphorisme, c'est que je pense notamment, j'allais dire grâce, mais plutôt à cause du Covid, à une séduction coercitive, quoi. C'est comme ça que je vois, moi, l'évolution, même pas de l'Occident, j'allais dire de la planète entière qui est modernisée. Et cette séduction, elle avait été notamment théorisée par Berzinski avec son fameux tititainment. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, toi, Agar, de ça, quoi. C'est Non, un. mais pas la fin du mot tainment, je suppose que ça vient de entertainment, donc de distraction. Voilà, et titties, c'est les seins maternels, tu sais. Donc, c'est. Ok, titi, oui. Voilà, et c'est Berzinski, je crois que c'est à l'ONU qui avait théorisé ça, justement pour ben, maintenir en place la société. C'était à partir de la, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de la, tu sais, des années 70 et de la crise pétrolière, tout le monde voyait qu'il allait avoir un espèce d'effondrement de l'Occident, une baisse drastique du niveau de vie des gens, et donc il fallait les maintenir dans une certaine torpeur liée au spectacle, notamment on peut penser aussi à tout ce qui est projet de salaire universel, de voilà quoi. Donc en gros, de maintenir les populations dans une espèce de séduction permanente. Et comme bah, c'est très connu, hein, mais c'est le séducteur, bah, c'est diabolique par définition, quoi, parce que il faut bien rappeler que le diable est un séducteur et qu'il n'oblige pas les êtres humains, quoi. Il va proposer quelque chose et c'est toujours à nous de le suivre ou pas, quoi. Et on voit Tout à ça, fait. par exemple, dans l'épisode du Jardin d'Éden, le serpent séduit Ève en lui disant, enfin séduit le couple primordial en lui disant, vous serez comme des dieux, mais il n'est pas là à les obliger à manger dans la pomme, quoi. Il les séduit, quoi. J'en parle dans mon livre Diablerie de foule ou dans le Homo Mythologicus. Je compare notre avenir à une espèce de vivarium, quoi, tu sais, ou nos émissions sur le cloaque, quoi, un Absolument, oui. monde totalement artificialisé et on nous donnera un succès d'années d'existence à travers le spectacle, à travers les séries télé, le cinéma. Et ce que je te disais là, par exemple, par rapport au Covid, les gens en ont marre des restrictions et tout, mais parce qu'ils ont envie d'aller boire des bières sur les terrasses ou de retourner au cinéma. C'est ça. Et C'est pas pas pour remettre des en grandes question, vidéos, quoi. voilà, ils ne remettent même pas en question l'idée qu'on soit contraint à faire ce genre de choses, tout à fait. Et ce que tu dis, c'est marrant, ça me rappelle de nouveau un ouvrage, j'ai lu très peu, hein, mais Barjavel est un auteur qui m'avait réconcilié avec la littérature, enfin réconcilié, c'est-à-dire que je ne voulais pas lire quand j'étais jeune, mais le premier bouquin qu'on m'a mis entre les mains, c'était Ravage, et puis j'ai lu Le Grand Secret,
Je sais pas si tu connais. Je l'ai lu, mais je m'en rappelle plus. J'étais adolescent. Moi, j'ai lu beaucoup hein, aussi de Barjavel. Ravage aussi. Oui, oui. Mais dans Le Grand Secret, je ne vais pas spoiler pour ceux que ça intéresserait de le lire un jour, mais il est question d'un... Si, tu peux. Ouais. Je dis ça, c'est parce que je déteste ce mot-là, tu sais, le mot « spoil » m'énerve. D'accord. Et du coup, « spoil » à 100%, tu sais, c'est les tabous, tu sais, c'est les tabous de notre époque, tu sais, genre, il faut pas spoiler, alors que, tu sais, c'est des trucs, on s'en fiche complètement, et la majorité des gens ne vont pas faire l'effort d'ouvrir le livre, donc tu peux y aller, hein, tu peux spoiler. Oui, donc j'étais. Donc il était question d'un virus de l'immortalité qu'un scientifique avait trouvé, qu'il s'était inoculé, et il a découvert en fait que ça conférait. Non, en fait, c'était un vaccin contre une maladie, je ne sais plus ce que c'était, ou un virus qu'il s'était injecté. Et petite anecdote, il a vu en fait pour la première fois dans le noir une rose rouge. Il voyait le rouge dans le noir. Et puis il l'avait arrosé. Enfin, il avait mis de l'eau pour cette rose qui contenait un petit peu de ce virus, et ce virus conférait l'immortalité. Bref, donc il y a plein de... C'est toute une quête initiatique, en fait, derrière tout ça qu'on peut comprendre, mais ce qui est marrant, c'est que dans ce bouquin, il faisait pas mal de parallèles avec des personnages réels de l'époque, de l'histoire, comme Margaret Thatcher, je pense, enfin bref, et tous ces gens étaient au courant, en fait, de l'existence de ce virus qui pouvait conférer l'immortalité. Et il justifie notamment, par exemple, le fait que Kennedy aurait été assassiné parce qu'il en aurait pris, et c'est pour ça que lors de sa dernière apparition, il avait l'air en pleine forme. Bref, ce sont des petits détails. Donc mais c'est intéressant de voir comment il avait construit son histoire. Et donc, lorsqu'ils s'aperçoivent que ce virus est en fait contagieux, ils s'aperçoivent que si le monde entier devenait immortel, on serait en surpopulation. Donc, ils décident d'isoler tous les gens qui ont été contaminés par ce virus, dans une île en Polynésie, là où il y a eu en réalité des essais nucléaires. Et lui raconte, en fait, si tu veux, il raconte une explication qui est... c'est de la fiction, mais bon, c'était assez intéressant. Et donc, du coup, ils s'aperçoivent que comme le virus est contagieux, ils doivent isoler tous ceux qui ont été atteints. Donc, ils tracent à partir du scientifique qui l'a pris, qui l'a contacté, enfin, qui a été en contact avec lui, etc. Et on isole tous ces gens sur une île. Et ils sont totalement déconnectés du monde. Et ces gens, en fait, se reproduisent et ont des enfants. Et du coup, les gouvernements se disent, on va avoir le même problème dans l'île. Ils étaient dans une bulle en verre pour empêcher que le virus s'évade, etc. Donc, ils ont stérilisé les enfants. Ils vivaient à la New Age. Donc, les enfants, à 12 ans, faisaient l'amour entre eux, etc. Donc, voilà, ils ont décidé de stériliser tout le monde en mettant un contraceptif dans l'eau, et toute cette nouvelle génération qui était née dans cette bulle sur cette île voyait le monde au travers d'écrans géants. Voilà. Donc c'est à ça que ça me fait penser, en fait. Sauf que la morale de l'histoire, on va dire, sauf que ces enfants, à force de voir le monde réel au travers d'images, ils vivaient dans un monde totalement artificialisé, en fait, dans cette bulle. Quelque chose est né chez l'un d'eux. Donc un garçon a eu le désir de s'évader. Et puis, c'est là que l'histoire reprend, quoi. Enfin, tu connais un peu les fins chez Barjavel. Oui. Donc, voilà, la morale, ça ne peut pas être 100% de la population. Il y aura toujours des noyaux, si on devait se projeter, hein, là, parce que vraiment, on spécule, c'est pas sérieux du tout, mais si on devait se trouver dans un monde totalement dévasté, avec un Calcutta mondialisé, avec des hubs de luxe, comme ça se dessine, et puis des grands zonings de gens qui sont contenus simplement par un petit salaire et qui ont une ration alimentaire par jour, mais le reste du temps gavé à la distraction, il y aura toujours dans ces groupements-là un petit noyau de gens qui garderont encore cette flamme divine, si on peut raccorder ça à la nécessité de la spiritualité, et qui refuseront ça, tu vois. Et donc... Moi, ça, j'y crois pas. Ça, je suis beaucoup plus... C'est là où... Mais moi, tu sais, je suis très, très pessimiste sur l'homme. Non, j'y crois pas. Je pense que la majorité des gens seront contents. Il y aura toujours un noyau de gens
qui vont pas adhérer à ça. En fait, ça sera quelque chose de non humain pour moi qui sauvera la, entre guillemets, qui fera tout péter. Et ce système, on va repartir sur des hordes et ça sera le début du prochain cycle en fait quoi. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on appelle des hommes préhistoriques, c'est des hommes post-apocalyptiques. Quoi, en gros, meurt. Par contre, je ne crois absolument pas. Ça, c'est peut-être un défaut hein, de personnel. Hein, je peux peut-être me tromper, mais je me fais vraiment aucune illusion sur l'être humain. Quoi. C'est vrai que la surpopulation en soi, selon moi, ne devrait même pas être un problème. Je ne sais même pas si c'en est un. Pour moi, c'est le problème. C'est le problème. C'est même pas la répartition. C'est pour moi en fait, c'est là où je peux paraître pessimiste, mais c'est même plus du pessimiste. C'est que pour moi, une fois qu'on a dépassé le milliard sur Terre, c'est moche et c'est horrible en fait. Donc du coup, bien, on pourra faire vivre autant d'êtres humains qu'on veut, mais c'est pas, ça sera pas un monde intéressant quoi. Ça sera moche et pourri quoi. Et du coup, c'est même pas une question de répartition. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'avait pas nous-mêmes influencé le confort de vie des gens pour modifier en fait l'espérance de vie, trop vouloir contrôler l'impact extérieur des maladies, etc., on ne discuterait même pas de surpopulation. Tu vois, on peut le voir par exemple chez l'animal, les animaux qui ont été domestiqués dans les villes, etc., comme par exemple les chats, à un moment donné, il a fallu les castrer parce que comme ils étaient trop bien, l'équilibre naturel ne permettait pas de maintenir la population suffisamment adéquate par rapport aux ressources dans lesquelles elle se trouve, tu vois. Je suis d'accord, mais c'est dans le monde animal et végétal. Et l'être humain, sa grande capacité à l'être humain, c'est l'adaptation. Et il pourra s'adapter à un monde surpeuplé. Et en gros, les êtres humains sont assez forts et assez ingénieux pour faire vivre 50 milliards d'individus sur la planète, quoi, qui sera totalement pourri et artificialisé, mais déshumanisé. Mais je fais confiance à l'être humain pour s'adapter, quoi. Ce que ne fera pas le chat ou les pigeons des villes, mais eux, c'est pas des êtres humains justement, quoi. Et moi, je te dis, vu que j'ai une pensée cyclique, pour moi, il n'y a pas de début ou de fin à la vie sur Terre, quoi. Il y a des destructions et des recréations permanentes, des cycles entre guillemets évolutifs puis involutifs. Et ce que nous on appelle la préhistoire, pour moi, c'est des générations post-apocalyptiques, quoi, en gros. C'est même corrélé, ce que je dis, par la science, hein, c'est-à-dire que les derniers cataclysmes, c'était par exemple la glaciation de Würm. Et on sait absolument pas ce qui s'est passé avant ou quoi, et ça a dégelé la planète, et il y a à nouveau la civilisation humains qui sont arrivés. Bon, mon père ne savait pas écrire, mais dans ma génération, à 12 ans, tous les enfants sortaient de l'école primaire avec une orthographe impeccable. Et nos enfants, en tout cas même mes enfants, c'est une catastrophe. Les meilleurs élèves font plein de fautes d'orthographe. C'est absolument incroyable sur une génération, comme la perte au niveau de l'éducation est marquée. C'est vraiment pas rassurant pour la suite, quoi. Et puis avec le langage SMS, comme tu le dis, il y a vraiment une perte réelle. Et puis une perte aussi, on trouve plus que c'est important. Voilà. Alors bon, moi je suis pas du tout une extrémiste de ce côté-là, hein. Ça n'a pas d'importance que quelqu'un m'écrive avec des fautes, etc. Mais je sais qu'à l'époque, on estimait que c'était quand même essentiel de savoir écrire correctement, déjà par respect pour celui qui reçoit le courrier. Et aujourd'hui, tout ça, tout ce qui tourne autour en fait de ces convenances, c'est perdu. Et c'est dommage parce que ça rend l'homme du coup moins intelligent, plus passif face aux belles choses, et par contre plus réceptif aux grossiers, aux laisser-aller, etc., etc., etc. Ouais, c'est exactement ça. Et je te dis, il y aura une baisse drastique de la qualité de vie et de la qualité humaine, quoi, du matériel humain, quoi, qui va. On peut penser aussi à la perte de mémoire, à la perte de. Avec les maladies, Alzheimer et autres, qui se manifestent de plus en plus tôt. Je ne sais pas si c'est une maladie qui existait
tout cas chez des gens de 50, 60 ans, il y a 100 ans, hein, je ne sais pas. Mais ben non, mais parce que je pense que, pareil, l'être humain, on va dire, enfin en tout cas notre humanité actuelle, elle n'est pas faite pour vivre aussi vieux, en fait. Et donc du coup, enfin... Tout est, j'allais dire, corrélé, et c'est encore une fois, tu sais, les maladies extérieures ne sont qu'un reflet de l'humanité. Voilà. On peut penser aussi au cancer, genre de choses qui... enfin voilà quoi. En gros, un avenir bête et méchant, surpeuplé. C'est ça qui nous attend pour notre fin de cycle et le cycle prochain. De toute façon, je pense que il y a même pas lieu de. Ça sera pas par la volonté humaine que ce cycle arrivera. Quoi. C'est des choses qui dépassent l'être humain. Quoi, comme, Je te rejoins complètement. Et si et tu vois, parfois je vois, bon, on a envie que les choses changent. C'est normal et. Tu vois les mouvements qu'il y a eu il y a quelque temps, il y avait eu des manifestations avec les gilets jaunes et autres. Je ne sais pas comment ça se passe avec le Covid, si les gens bougent ou pas, mais ça se comprend, hein, que les gens désirent changer ou reconstituer des nouveaux modèles sociétaux. Non, mais pas pour moi. Hein. Moi, j'ai jamais cru une seule seconde aux gilets jaunes. En fait, c'est juste des boomers et des gens qui croient des choses, qui croient qu'ils pourront vivre avec la même le même niveau de vie, continuer à voyager, avoir des voix. Alors que non, en fait. Je n'y crois pas aux gilets jaunes. Ce que je voulais dire, c'est que je peux comprendre le désir de ces gens-là ou d'autres personnes qui voudraient imaginer un autre monde. On voit beaucoup ça, les gens qui font des réflexions. Quel serait un monde idéal, le monde idéal de demain, quel type de règles appliquer, etc. Mais c'est un peu naïf, voilà. Je ne pense pas qu'on puisse... Sauf que moi, je comprends ce que tu veux dire, Agar, mais sauf que moi, ce n'est pas du tout de la naïveté, mais de l'hypocrisie. C'est que c'est des gens qui se donnent une posture par rapport à autrui. Par rapport à la société dans laquelle ils vivent, et ils veulent paraître pour quelqu'un de bien, qui pense au futur, alors qu'ils s'en fichent complètement. Donc c'est pas de la naïveté, c'est de l'hypocrisie pour moi. Quoi. Quelque part sur certains plans, oui, je vois parfois des gens qui veulent bien, qui sont prêts à faire, à faire une espèce de transition. C'est très à la mode aussi faire une transition, mais pas touché à ceci parce que j'ai un problème de rhumatisme, donc il faudrait que je puisse toujours disposer de mon petit anti-inflammatoire, hein, tu vois. Ok, mais faudrait quand même garder les voitures parce que on fait comment après pour les déposer les enfants à l'école, et puis donc en gros on veut juste reproduire ce qui est aujourd'hui en se disant on va le gérer nous-mêmes, ça ira mieux. Mais non, déjà c'est pas possible de gérer soi-même tout ce qui est en place aujourd'hui, et puis c'est pas pour autant que ça ira mieux. La gouvernance, déjà, il faut avoir des compétences, des capacités, des qualités pour pouvoir imaginer un monde meilleur. Et là, aujourd'hui, on ne sait même plus ce que c'est que la gouvernance, en fait. Disons que la gouvernance, c'est ceux qui ont la force légitime, et ceux qui ont la force légitime, c'est cette hyper classe qui a des porte-avions, des armées, de la police, et donc les masses vont suivre ce que la force légitime va leur dire de suivre, quoi. Et justement, cette force légitime encourage à toutes ces idéologies de tu sais, c'est la sobriété heureuse. Même Attali en parle, et c'est juste accepter que quelqu'un de Bordeaux vive comme à Bamako, quoi. C'est ça l'objectif. Quoi. Avec joie et chantons ensemble, c'est vraiment ça. Les mouvements d'Arabie et autres, c'est ça. C'est en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les gens, du coup, vont suivre une tendance. Ça le fait, c'est... Il y a eu le mouvement des écolo-bobos à un moment donné aussi. Hein, et il n'y avait qu'eux qui pouvaient manger bio. Et en fait, le bio à la noix, il fallait, en fait, c'était bio parce que ça répondait à des critères déterminés auparavant par l'industrie du non-bio. Donc ça, ils ne le savent pas. et puis, du coup, c'était 8 dollars ou 8 euros la douzaine d'œufs, mais c'était réservé
à une certaine catégorie de la population. Et en fait, ces gens-là sont incapables de vivre réellement simplement, quoi. C'est juste qu'ils veulent se sentir concernés. Mais si on leur enlève un cheveu de leur confort, ils ne sont pas prêts à y renoncer. Non, c'est vrai. Mais déjà, ça va quand la dans d'ici 10-15 ans, quand la génération des baby-boomers sera décédée, quoi. Les gens plus jeunes n'ont pas les mêmes attentes matérielles que la génération de nos parents, quoi. Enfin, et ça va baisser petit à petit, quoi. Et à la fin, ça sera une espèce de salaire universel. Voilà. Bah, ça, on y est déjà, je crois. Hein. Ça, on en parle un peu partout dans le monde. Hein, de ce salaire. Ah, je te dis, depuis le Covid, tout. Enfin, je ne dis pas que c'est bien hein, ou que je suis un prophète ou quoi, parce qu'il y a plein de gens qui y ont pensé. Mais le Covid accélère justement cette baisse drastique des niveaux de vie, la fin de la propriété et de justifier le fait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, quoi, en gros. Il n'y a plus d'argent. Exactement, c'est la faute au virus. Non, c'est rondement mené. Si vraiment il y a quelqu'un derrière, et si c'est pas fait exprès, ben franchement, voilà. Mais oui, il faut vivre avec ça et se dire comment on fait pour continuer à vivre correctement. Parce que tu disais, les générations suivantes, nos enfants, ils auront moins d'ambition financière. Par contre, ils sont pour la plupart désenchantés, alors que nous, on était encore un petit peu naïfs, on y croyait encore. Donc, on avait une espèce de fougue qui nous a permis malgré tout de tenir. On est allé travailler comme de bons soldats, etc. Enfin, j'entends par là la majorité dont j'ai fait partie, etc. Mais on avait quand même encore cette fougue. Nos enfants, eux, ils naissent dans la désillusion totale. C'est mon Dieu, dans quelle période on est tombé, comment on va faire ? Du coup, il y aura toujours de la drogue, des antidépresseurs, des jeux vidéo, des séries Netflix. Comme un espèce de. De suicide consenti, quoi, quelque chose. Tant que on laissera les êtres humains, tant qu'il n'y aura pas un énorme cataclysme extérieur, t'inquiète, les êtres humains trouveront toujours des ressources pour se lever chaque matin, même dans un monde complètement pourri et artificialisé, quoi. Ça va faire, c'est comme une tournante. Donc une fois qu'on aura bien détruit l'Europe, on passera à l'Asie et ainsi de suite. Voilà, et d'ailleurs c'est ça que je reproche moi aux Occidentaux qui parlent de fin des temps, c'est parce qu'ils comprennent pas que c'est la fin de l'Occident en fait et de la domination de l'Occident sur le monde. Mais les Chinois ou les Coréens du Sud en ce moment, ils sont pas en mode fin des temps. Mais ça viendra pour eux aussi, tu vois. Pour l'instant, ils construisent des villes et tout, et la sobriété heureuse, ça sera pour les Chinois, et le Conchita Wurst, ça sera pour les Chinois dans 20 ou 30 ans, quoi. Quand le sort de l'Europe sera réglé et que tout le monde sera dans le rang avec un niveau de vie divisé par deux ou par trois, quoi. Et là, bizarrement, le grand cirque de la séduction émigrera de l'Europe vers l'Asie du Sud-Est, quoi. Comme le font, par exemple, en ce moment, les banques. Tu vois, les grands sièges des banques ne sont plus à Londres. Voilà, maintenant, c'est à Singapour, en Chine. Et en Amérique centrale aussi, il y a des hubs de luxe qui se construisent aussi. Ça, c'est bon. Je fais de la géostratégie à deux balles. Non, mais ça, par contre, ça, c'est vrai. C'est que l'hyperclasse, par contre, eux s'en fichent de la GPA PMA. T'inquiète que ils savent ce que c'est qu'une famille, transmettre ses biens à ses descendants, leur donner une bonne éducation. T'inquiète que les enfants de l'hyperclasse apprennent le latin, le grec, n'ont pas de tablette et ont interdiction de regarder Netflix. Hein. Et mangent sainement, oui, tout à fait. Et mangent sainement, ouais. Certains même ont acheté des terres pour vivre, enfin pour y construire des espèces de fermes totalement autonomes.
Donc, il y a conscience quand même parmi ces gens-là que le mode de vie qu'ils vendent n'est pas pour en faveur, en tout cas, de la vie. Bah disons, c'est pas vraiment par rapport à ça, c'est juste de maintenir leur place en haut de l'échelle sociale, quoi. Et parce que justement la vie sur Terre c'est une guerre permanente et les gens de l'hyperclasse l'ont bien compris et ont bien compris que c'était pas par de la bien-pensance et des grands projets que tu as une position dominante dans la société. Donc eux ils pensent en termes de coopération et d'ennemis, en fait. Et les peuples sont leurs ennemis, en fait, pour réussir à se maintenir en haut de la pyramide sociale, quoi. Et moi, je leur en veux pas, parce que c'est l'histoire de l'humanité. C'est jusqu'à notre époque, avec les moyens technologiques, le nombre de personnes, bah, t'es vraiment obligé de faire de l'ingénierie sociale à grande échelle et parce que tu vois, ils sont pas beaucoup, hein. Quand je parle de l'hyperclasse, c'est même pas 1% de l'humanité. Si les 99% du jour au lendemain se mettaient à se rebeller, ils feraient pas long feu. Donc il faut bien les occuper, les affaiblir, les maintenir en esclavage, quoi. Et les rendre dépendants, totalement dépendants, c'est-à-dire dans l'impossibilité justement de pouvoir, un, les cibler, entre guillemets. Parce que tous ces gens qui dirigent la stratégie du monde, parce que ça, c'est vrai, hein, il y a des organisations internationales, des institutions qui sont là pour donner les lignes directrices. C'est là que ça se joue. Et encore, ça, c'est la façade visible. Ces institutions, elles sont financées par des corporations qui sont en fait englobées dans une autre corporation dont on ne connaît pas le nom, et c'est seulement les actionnaires de cette corporation qui sont potentiellement concernés. On ne sait même pas où ils vivent, on ne sait pas où ils sont, donc c'est impossible pour la masse quelque part de vraiment agir efficacement. Si tu ne sais pas où est ton ennemi et que tu ne le connais pas, comment veux-tu le combattre? Oui, c'est vrai, mais juste un petit bémol, c'est quand tu dis permettre à la masse d'agir efficacement, en fait les masses, comme leur nom l'indique, n'agissent pas. C'est toujours une élite qui va modeler une masse, tu vois. Et ça rejoint d'ailleurs mon aphorisme. Est-ce que l'élite c'est Saint-Louis ou est-ce que l'élite c'est Rothschild, en gros, quoi. Et donc du coup c'est toujours l'action d'une minorité. On avait le dernier aphorisme qu'on avait fait dans l'émission précédente, c'était toute société humaine se compose de 5% de meneurs et de 95% de suiveurs. Et les masses dans l'histoire humaine n'ont jamais fait l'histoire, en fait. C'est toujours un pouvoir qui s'exerce sur une masse, quoi. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, quand tu dis ça, on te traite de complotiste, mais non. Mais c'est pourtant la réalité. Complotiste à l'idée que, bon, comme moi j'ai un peu touché au droit international, c'est comme ça que j'ai compris, en fait, naïvement. Moi, au départ, je pensais par exemple que les lois belges, elles étaient établies par les ministres belges, que la royauté belge, bon ben voilà, ils sont là, ils font plus figure, ils n'ont absolument aucun rôle. Et puis voilà. Et puis j'ai découvert en fait que les souverainetés, ça n'existait plus, en tout cas dans les régions où ils se sont constitués en fédération, comme l'Union européenne, etc. Que même au niveau européen, tout ce qui sortait en fait provenait de consortiums, de consortia. Composé d'industries, de membres des États membres, d'institutions internationales, des ONG, et ils vont manger ensemble, etc. Donc tout ce beau monde, en fait, qui est très naïf aussi, hein, c'était là que se jouaient, en fait, toutes les discussions sur les futures réglementations, mais que derrière ça, il y avait juste des recommandations, des lignes directrices. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que ces gens derrière, ils passent pas leur journée à étudier le droit, etc. Ce sont pas des casse-têtes, ce sont des stratèges. Donc ils donnent des lignes directrices, et ça se traduit en trois paragraphes, on va dire. Une mission, et c'est comme ça que l'industrie implémente, en fait, tout le système de management dans les grosses entreprises, ça provient, tu vois, des États-Unis, ça provient de ces mêmes façons de procéder, hein. Donc tu as des têtes pensantes qui donnent une vision et une mission.
Voilà. Et par contre, pour moi, ils sont pas naïfs. C'est là, les gens sous cette hyperclasse invisible ne sont pas naïfs parce que ils sont payés, ils ont un petit billet, comme on dit, et plus ou moins gros suivant leurs responsabilités. Donc, t'inquiète qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, mais à un moment donné, ils se disent « Ouais, mais 10 000 euros par mois, est-ce que j'ai envie de m'asseoir dessus ?» quoi. C'est aussi ça, c'est dans ce sens-là aussi que je parle d'individualisme bien compris, c'est que la majorité des gens, c'est-à-dire que c'est souvent ça que je dis, c'est que la qualité d'un être humain se juge pas à son niveau social. Et je pense que si on parlait de Macron ou Nabila, mais il y a 9 femmes sur 10 dans la rue qui sont aussi bêtes et aussi vénales que Nabila, quoi. Sauf qu'elles sont moins jolies, quoi. C'est tout. Hein. Des petits Macron, il y en a partout. On en croise tout le temps, en fait. Donc, c'est juste une question de niveau de vie. Et voilà, quoi. C'est tout. Hein. C'est pour ça, quand on parlait de gilets jaunes, moi, ça me fait pas rêver. D'ailleurs, moi, pour les gilets jaunes, c'est la seule fois où j'ai eu peur presque dans ma vie. C'était au moment, c'est les gilets jaunes qui m'ont fait peur sur leur rond-point où ils faisaient des filtres sur les voitures et j'étais avec mon gamin qui était sur le siège arrière et j'étais dans un bouchon et je voyais qu'ils filtraient les gilets jaunes et moi je cherchais mon gilet jaune pour le mettre sur le pare-brise pour pas qu'il m'emmerde. Parce qu'ils rigolaient pas du tout, tu vois. Et ces gens-là, ces gilets jaunes-là, qui étaient tous des gros boomers, me font largement plus peur que Jean Castex ou que Macron. Hein. Je sais pas moi, est-ce que tromper son mari ou sa femme, c'est bien? Oui, mais on est en 2021. Et donc, ça permet tout. C'est parce qu'on est en 2021, on peut considérer en fait que tout acte est bien au final. Je pense comme toi, mais je me suis rendu compte de ça moi à 12-13 ans, et pour moi, là c'est mon côté voltairien, pour moi la majorité des gens qui m'entourent sont méchants, sont bêtes, sont hypocrites, et je ne crois absolument pas en eux, quoi. Et comme tu le dis, ils s'inventeront toujours des bonnes excuses. J'allais dire moi le premier, donc moi j'essaye de virer ça de moi-même. Mais alors après, chacun se retrouve seul face à lui-même. Hein. C'est vraiment la seule conclusion à laquelle tu arrives quand tu te poses toutes ces questions-là. Parce que bon, personnellement, moi, tous ces questionnements, je me les pose par rapport à ma vie personnelle, forcément, avant tout. Hein, on va pas se mentir, toutes ces questions-là, on se les pose parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ressent soit un malaise, un mal-être, on se sent pas en adéquation, on s'identifie pas à l'environnement ou ce qui nous dirige. Enfin, tu vois, il y a quelque chose. Moi, je te le dis sans mal-être, hein, en fait. C'est-à-dire vraiment, j'ai pris acte que l'être humain était vil. Voilà. Et du coup, c'est pas grave. Donc du coup, moi, le moindre petit truc, le moindre petit sourire, la moindre petite attention, non mais la moindre petite attention, le moindre petit mot gentil, ben ça me fait un plaisir immense parce que j'ai compris que en majorité, l'être humain était méchant et vil, quoi. C'est tout. Tu vois, je suis misanthrope, quoi, en gros. Et donc du coup, la moindre petite chose m'illumine, en fait.